expliqué, comme l'exercice 27 qu'on a fait, on n'aura pas seulement deux lignes dans le tableau comme on a l'habitude d'avoir. Quand on fait un tableau de proportionnalité, on a deux lignes et on remplit plusieurs colonnes. Ici, on va avoir deux colonnes, la colonne pour 8 personnes et la colonne pour 26 personnes, mais on n'aura pas que deux lignes parce qu'on a quatre choses différentes. Donc on aura en fait, le tableau sera beaucoup plus grand. Donc nous ici, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc on nous donne les ingrédients pour faire des crêpes pour 8 personnes. Lucas fait des crêpes pour la chandeleur. Voici sa recette pour 8 personnes. Donc pour 8 personnes, on met 250 g de farine, 4 œufs, 1 demi-litre de lait et 50 g de beurre. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande combien on doit mettre de chacun de ces ingrédients si on fait une crêpe pour 26 personnes. Pas pour 8, mais pour 26. Donc on va commencer à faire un tableau. Donc le tableau, d'abord la première ligne, ça va être le nombre de personnes. Donc je vais écrire personne. Ça c'est pour la première ligne. La deuxième ligne, ça va être la quantité de farine. Donc je vais écrire farine. On veut aussi savoir le nombre des œufs. Donc on va écrire les œufs. Et on veut savoir le lait. Et pour finir, on veut savoir combien on doit mettre de beurre. Donc on fait notre tableau. Et nous, à chaque fois, on sait combien on doit mettre de chaque ingrédient. Quand on a 8 personnes, on sait combien d'ingrédients on doit mettre pour 8 personnes. On sait que c'est, donc la farine c'est 250. Les œufs, c'est 4, le lait, 1,5, donc c'est 0,5, et le beurre, 50. Maintenant, nous, on veut savoir combien on doit mettre de chacun de ces ingrédients pour 26 personnes. Donc, comment on va faire? Quand les tableaux ont plus que deux lignes, c'est pas intéressant d'utiliser le coefficient de proportionnalité, parce qu'on va utiliser le coefficient pour passer de là à là, et pour de là à là, et de là à là, on aura quatre différents coefficients de proportionnalité. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt essayer de chercher un lien entre les deux colonnes. Comment passer de 8 à 26? Et le nombre 26 n'est pas dans la table de 8, donc ça ne va pas être si facile que ça. Avec quel nombre on doit multiplier 8 pour arriver à 26? Ben, pour le trouver, on doit calculer 26 divisé par 8, et on trouve 3,25. Donc le nombre qui multiplie la première colonne pour aller à la deuxième colonne, c'est 3,25. Donc, pour savoir combien on doit mettre de farine, on fait 250 fois 3,25. Et ça nous donne 812,5. Pour savoir combien d'œufs on doit mettre quand on fait des crêpes pour 26 personnes, on fait 4 fois 3,25 et ça nous donne 13. Pour le lait, on fait 0,5 fois 3,25, ça nous donne 1,625 et finalement, pour le beurre, on fait 50 fois 3,25 et ça nous donne 162,5. Donc maintenant, on sait quelle quantité de chacun des ingrédients on doit utiliser pour faire des crêpes pour 26 personnes. Ça, c'est la quantité de farine, les œufs, le lait et le beurre, bien sûr. La farine, c'est en grammes, bon, les œufs, c'est en nombre, le lait, c'est en litres, et le beurre, c'est aussi en grammes. Voilà. Donc ça, c'était l'exercice 29. Il ne nous reste plus aujourd'hui qu'à faire l'exercice 30.